Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Je comprends avec la soirée qu'on a. Des frissons par-dessus, frissons. Ben, je voulais vous conter une histoire, mais j'ai changé mes projets. J'ai envie de vous offrir un message subliminal. Mais en fait, je souhaite aussi qu'à travers ça, ça soit un massage subliminal. Mais pas subliminal, inquiétez-vous pas. Oui, c'est vrai, c'est parce que je trouve ça important d'être bien dans son corps, de se sentir habiter son espace, ce temple-là avec lequel on vit à tous les jours. Donc, des fois, on prend soin de l'intérieur, des fois, on prend soin de l'extérieur. C'est bien, déjà, c'est le contraire. Mais, c'est ça. Fait que je souhaite l'offrir un petit. Qu'on s'offre un petit massage. Pour toutes les femmes qui sont ici, les hommes aussi, vous pouvez le faire. Toutes les femmes heureuses, les fameuses femmes heureuses, que, ou familiques, ou les familles aussi. Prenez cet espace-là pour que, peu importe l'espace corporel que vous avez, l'espace énergétique, que peu importe le modèle que vous avez eu, que vous avez encore, peu importe les modèles à construire, les modèles à choisir, les modèles à devenir, les modèles qu'on écrit, qui nous, des fois nous donnent des ailes quand on a envie de les partager, ben peu importe ces modèles-là, je vous souhaite d'avoir le vôtre et d'être bien dedans. Fait que pour commencer, si vous voulez, si vous avez envie de vous lever debout, vous êtes les bienvenus, parce que vous allez avoir besoin d'utiliser, pour l'instant, ça se fait encore assis, mais à un moment donné, vous allez voir. Moi, je vous invite à laisser aller vos soucis pour cette expérience-là. Vous êtes prêts? Oui. Ouais? On laisse aller les soucis. Allez, allez. Ben, faites-le. Lissez, allez, vos sourcils. Puis comme ça, sentez-le. Ah oui. Pour aller jusqu'au temple. Puis entrer dans le temple. Pour être de la trempe de celles qui ont le front de faire changer les choses. Vous pouvez hisser le pavillon rose jusqu'à ce qu'on se lobe. Ce soir, dans une soirée comme ça, où est-ce qu'on s'écoute, où est-ce qu'on s'entend, on prend le temps de se détendre l'oreille. Ça fait du bien. Si parfois nous mentons, corrigeons notre langue, parce que personne n'aime mâchoire. C'est bien plus doux quand on joue. Ouais. Puis comme ça, des fois, ça nous permet de vraiment être dans le coup. C'est important aussi, je pense, d'oser tenir tête. Des fois, on sent que notre vie est tout échevelée. Ça prend du bien Fait que c'est ça, tenir tête, des fois, sans crainte de la lever ou la baisser pour se recueillir. Puis des fois, on peut même la laisser tourner un peu pour tout se redire un peu. Ou pour s'étourdir. Puis des fois, oui, ça, bon, c'est sûr que ça fait tourner la tête, mais on peut se le permettre un petit peu. On peut aussi, des fois, se prendre le temps de s'épauler les uns les autres. Puis aussi de s'attraper. Se serrer dans les bras. Et puis surtout, oser se tendre la main. Se détendre la main? Oui, parce que mon petit doigt me dit qu'il y a bien des problèmes qui s'annulent l'air de rien. Bien des problèmes majeurs.
vont disparaître quand ça sera plus, il sera plus à l'index de s'offrir puis de demander un coup de pouce. Ouais, des fois on a peur, tu sais, que de demander un coup de pouce. Si on demande un coup de pouce, on va avoir l'air paumé. Pourtant, se donner la main, c'est ça qui fait du bien. Puis, ce qui fait du bien aussi, un autre grand plaisir qui fait du bien, peut-être plus encore. Là, c'est là, je pense que vous pouvez vous lever. Allez, ça fait du bien. Hein? Puis là, une fois que vous êtes debout, laissez-vous inspirer. Oui. Laissez-vous inspirer de ce qui est le plus grand dans vous. Laissez-vous inspirer, puis comme ça, vous pourrez ouvrir votre cage. Sentez que votre cage s'ouvre à tout vent. Pour que le vent y ventre. Pour que le vent y ventre. Puis une fois que le vent entre, qu'il aille jusqu'à la source, oui. Le vent entre et aille jusqu'à la source. Puis qu'il descende au sein, puis au creux du bassin. Puis comme ça, quand l'inspiration vous est bien entrée, vous pouvez même vous permettre de vous détendre la colonne vertébrale, véritable. Fait que roulez votre colonne sans vous sentir rouler. Roulez votre colonne vénérable, véritable, puis verte herbe. Par verte herbe, laissez-la dérouler. Moi, ça me fait du bien. T'sais, vous autres, vous êtes dans le noir, vous pouvez. T'sais, moi, je suis en avant, c'est un peu plus gênant, mais profitez-en. Puis, en tout cas, moi. Ah oui, puis au creux du bassin, on l'a pas fait assez, là. Parce que justement, mais vous êtes en noir, c'est ça? Fait que moi, je nous souhaite tout cela. Hein? Je nous souhaite tout ça. Que ça fasse du bien. Oui, qu'on enjambe les obstacles, qu'on marche sur la terre, puis que de nos pas, on masse pas juste notre corps, mais on masse aussi le sol. Que nos pieds, bien plantés, la plante de nos pieds, s'enracine dans le sol. Puis que chacun de nos pas soit un massage qui fait du bien. Oui, je nous souhaite tout ça. Puis je souhaite que ce massage vous aille droit au cœur, puis vous aille droit à l'âme. Merci.